Hello tout le monde, c'est Takozone et bienvenue pour la suite de Her Story. Alors, avec moi j'ai un petit coulis de framboise que vous ne pouvez pas voir, mais excusez-moi si vous l'entendez. J'ai pas trop le temps aujourd'hui de tourner, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. Alors oui, je disais, on revient sur le jeu, hein, je vous rassure. On avait découvert beaucoup de choses, des choses assez glauques et aussi qui... nous mettez la vérité en face. Le problème, c'est qu'en revisionnant tout, je me rends compte que donc ces deux sœurs, ces deux femmes, peuvent très bien mentir comme dire la vérité. Et ce, à n'importe quel moment. Quand l'une dit « J'ai tué Simon », je crois que Simon ou Samuel, je sais plus, eh bien, elle l'a peut-être tué, ou alors c'est sa sœur, ou alors c'est faux. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais différemment, si vous voulez. C'est la même situation, mais avec des éléments qui changent. Et du coup, bah, on ne sait pas laquelle est la vraie. La vraie situation. Ça tombe, il n'y en a même pas d'ailleurs. Et voilà, il y avait ça aussi. Et regardez, quand on clique, on voit SB. Et en réfléchissant un petit peu à SB, j'avais dit en début de vidéo, en début de let's play, que le jeu a été créé par un certain Sam Barlow, je crois que c'est ça, hein. Et là, on voit SB. Je suis sûr que c'est lui. Alors, pourquoi? Bon, bah voilà, c'est le créateur du jeu qui a mis SB. Est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas. Je pense que quand on va cliquer sur, là, le call, donc le buzz, ça va finir le jeu. Parce que là, on a pratiquement tous les éléments, on va dire, pour lancer le script de fin, si je puis dire. Mais non, on va tout de suite se lancer dans la recherche d'autre chose. Alors, on va commencer le jeu. Je vous rassure. Enfin, commencer. Continuer. Là, je tape des trucs au hasard, hein, je vous rassure. C'est normal que j'ai mis meilleur. Yes, it was a cremation for the best. We both wore black and had veils, so it was easy. And after the funeral, everyone came back to the house. Hannah served up sandwiches. And I stayed out of sight. Donc là, elle parlait de l'enterrement de Samuel. Hein. Ok. Est-ce que l'enterrement, tu peux m'en dire un peu plus? Non, d'accord, bah très bien. Et je vais quand même vérifier, c'est bien Samuel, hein. Ouais. Non, c'est Simon. Ouais, Simon, ok. Pourquoi Samuel, je ne sais pas. Alors, on va chercher des trucs au hasard, vous voyez, un couteau... Non, vitre, non, pour. Donc là, on cherche le maximum d'éléments pour l'inculper, enfin, ou inculper l'une des deux sœurs, en tout cas. Oula. I wasn't in the house all of Friday night. After the argument, after Sam left. Que c'est la première dispute entre les deux. I was upset and I wanted to get away. So I took the car. Ok, elle a pris la voiture. So I got in the car and ah, c'est bien, ça suit. I just kept driving north. Just kept going, just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped, I was all the way out. Let's go, c'est là que, oui. Elle avait déjà dit so tired. Ça. Just had to sleep. Oula. I left the next day, Saturday. I slept for a few hours in the car. Oui. When I woke up, I came straight back. Simon wasn't returning my calls and I wanted to try and make up. La menteuse. Got back to the house and Simon wasn't there. And I... Is there a bin? Ah oui, elle est enceinte, là. Ah. C'est dégoûtant. Yeah. I pulled over and slept in the car. This was just by the side of the road. I was exhausted. Euh,
Way. Ok. Donc elle était enceinte, du coup elle est rentrée. Mais du coup ses parents. Mes parents. Ses parents, il y a un truc qui est louche parce que elle avait dit que ses parents étaient morts d'une intoxication, mais j'en suis sûr que c'est faux. Ah, oula. At the time they said it was poison. Food poisoning. I mean, I felt so guilty. If I'd still been at home, maybe I could have done something. Ouais. Preuve. Rehearsed. You ask me the same question, you'll get the same answer. Ah. Is that your evidence? Of course I thought about what happened then. It's all I've thought about. My husband is dead. Ok, donc ça, je sais plus exactement c'était après quoi. Ton mari est mort. Mort. Est morte. Non. Simon. Tué. Simon. Mort. Les recherches, quoi. Ah. It was supposed to be a secret. Just because Simon is dead, doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. 14h. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Quoi? C'est pas logique ce que tu racontes, Anna. Alors, oui, il y a aussi un élément, son tatouage, ici. Et elle, ah, on voit pas, mince. Attendez. Alors, elle, elle n'a pas de tatouage, on est d'accord. Ou alors c'est ce qui dépasse. Ah non, clairement non, regardez. Là, on voit le tatouage à droite. Enfin, ouais, ici, c'est à sa gauche. Il descend quand même presque jusqu'à l'avant-bras. Et là... là... Bah, il descend quand même ici, hein. Il n'y a pas... Pas de tatouage. Donc, cette femme. Et cette femme sont deux femmes différentes. Au moins qu'elle a fait son tatouage entre temps, mais. Ah bah attendez, on va taper, on est bête. Pourquoi on n'a jamais recherché un tatouage? Hein? Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. Ouais, justement. It's an apple and a snake. Oui. So I moved out. Ça, c'est après. A small bed set. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings. So I had some money, enough money to cover my rent. C'est clairement deux femmes différentes. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. Ouais, mais là, pourquoi elle décache ce tatouage? He saw me singing. One of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously, I knew who he was. But comment ça, qui était? He didn't know who I was. Ah oui. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome. Well, that would impress me. D'accord, donc elle s'en a. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. Il parle de Simon, enfin elle pas. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream.
Ouais. Ok, donc ça. Ouais. Comme un rêve. Ouais, est-ce qu'on l'a déjà cherché? Oui. Dormir. Alors je suis désolé, hein, je fais des recherches très simples, mais il faut. Il faut. Non. Elle. Hop. Hélène, c'est qui? Hélène, ça y est, on a son nom. Et bim! On a son nom. C'est Hélène. Ok, donc Hélène et Anna. Peut-être pas en fait. Pourquoi il y aurait que deux vidéos? C'était quoi? C'est qui l'autre vidéo là? It's the Rockington Arms, the Rock. It's run by a nice couple. Non, j'ai rien dit. Attendez. There's some other regulars there that sound like. Non, ok, donc non, c'est pas. J'ai rien dit. Oh mince. Autre nom. Il faut savoir son nom à l'autre là. Parce qu'il y a deux jumelles. Il y en a une qui s'appelle Anna. Et l'autre. Qui s'appelle. Alors j'ai une idée, c'est soit Yves, soit. Non. I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. She was a girl, by the way, the baby. Ah, ça c'est la fausse couche. We were going to call her Sarah. Simon wanted to call her Ava after his nana, but I didn't want her to have a symmetrical name. Tu m'étonnes. Ava. Ava. Non, ok. Sarah. Nope, ok, bon, on parle pas beaucoup. Mamie. Oh là là, y a rien là-dedans là. Papa. Non, ça je crois qu'on l'a déjà cherché. Hein. Ce genre de choses. Samuel. Miroir. Mais souvenez-vous de l'histoire du miroir. Alors, comment on écrit palindrome? Il y a un. Oula. Comme ça, d'accord. Pas Anna. Véritable. Oh là là, on sait pas son nom, hein. Vrai nom, ton vrai nom, s'il te plaît. Y'a pas. Anna. Tu. Je fais chier. Anna, elle. Non, ok, bon, j'aurais rien de plus. On peut chercher des mots genre clé. Ouais. Yes. I always pull it shut and then lock the bigger lock with the key. Ça on s'en fout. No, I don't think it was. I turned the key but it was already unlocked. Bon, donc là, il demandait pourquoi la porte était fermée, je suppose. Je crois que quand elle est rentrée, c'était déjà ouvert. Ce qui était bizarre. Et aussi bizarre, ça veut dire. La dispute. Il y a un truc bizarre là-dedans. Dispute. No. I mean, yes, we have arguments, but he never runs off. He always comes back. We make up. It's always that way. Pourquoi pas? Yes. He left after the argument. It was about 8 o'clock. 8 heures? Yeah. Elle a pas de tatouage encore là. I'm quite a private person and I didn't want to get into the detail of the argument. Ouais, mais ça je m'en. Hein, voilà.
La dispute a mal tourné. Frappé. Hurt someone. Yes. But everyone thinks that from time to time, right? You just want to lash out. Oui, frapper avec un miroir un peu moins quand même. Vouloir faire ça. Vouloir tuer Simon. Suicide? No. I mean, he would never do anything like that. He is not the kind of person. Mais il est mort, égorgé, like non? Enfin. To hurt himself? No. Un suicide? Bah oui, mais justement. La scène de crime, c'est quoi, Simon, avec la gorge ouverte, non? On est d'accord. Sur le sol. Ah. Sorry. Yeah, I get it. Yes. Ah, attendez, ça c'est quoi? C'est à 11h27. Ok, non. Ouais, c'est juste après ça. Yes. My name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Donc c'est pas non. Oui, bon, ça c'est pas très intéressant. Détecteur, je crois que j'avais déjà cherché ça, hein. Je suis désolé, mais je me rappelle plus trop. Ouais, non, y a rien d'autre. Mal. Hier. Bruce. Oh, yeah. Ah oui. No, it's nothing. Ça, c'est lui qui a frappé. Non, 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 non. Kind of hit the door with my face. Ça, c'est Simon qui t'a frappé. Like hell. Menteuse. Oh, God. I don't know. I mean, I guess The Rock. You've spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. Ouais, mais Simon t'a frappé, ma petite. Simon. Oula. Frappé. Point. Avec le point, je crois, en plus, hein, il lui a foutu un coup de poing, un truc comme ça, non? Oh, purée, elle veut pas, hein? C'est la vidéo, non? Non, ça c'est autre chose. Ah oui, oui, non, non, c'était avant, ça c'était quand j'étais petite, je crois. Simon l'a frappé. Ouais, bon, franchement, je pense faire une petite pause après. Essayer de trouver des mots à taper. On reconstitue un tout petit peu l'histoire afin d'être un peu plus efficace. Et puis on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Il est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais là on galère un petit peu. On a peu eu forcément d'informations qui nous éclaircit sur la situation actuelle, vous voyez, voire pratiquement aucun indice en plus, aucun élément. Voilà. Merci d'avoir regardé. Écoutez, j'espère que vous êtes aussi impatient de découvrir la vérité dans tout ça. Moi, en tout cas, je suis très intrigué. Et je vais faire un petit travail là-dessus, de mots à rechercher. Et puis, je taperai ça pour le prochain épisode. Je pense qu'il reste 2 vidéos, pas plus. Et puis voilà. On verra qui est Anna et qui est l'autre femme. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.